lot of us. Pa! Yo, salut à tous, quoi neuf les amis, yo les amis, bienvenue sur la chaîne. Certifié par la street, les amis, on est ensemble, les gars. Hey, là, je vais donner mon avis, les gars. Hein? Dans ta face, tu vas cliquer dans ta face, tu vas t'abonner, mon ref. Merci à toi, en tout cas, d'avance. Hey, les gars, aujourd'hui, mon ref nous a sorti le clip. Grand monsieur, GM10, donc on va découvrir ça ensemble. On va parler le clip, on va parler le son, on va parler de... un peu de tout quoi. Ok, vous êtes prêts les gars? Allez. Non. Dégagez-moi des C. Allez. Un grand jour, le jour J. Déjà l'instru, la prod quand elle commence les gars, elle te met dans ta face frérot, t'as capté ou pas? C'est un sniper mon ref, il arrive frérot. Ah, laisse tomber. Ah ouais, en plus il a osé mettre sa nouvelle voiture hein. Beau gosse, t'as capté, on peut aller en mode, voilà, t'as capté le grand monsieur, hein, le patron, il est dans la place. Hein. Et franchement, le clip, merci William Thomas, franchement, la vérité, lui, ses clips, franchement, ils sont énervés à chaque fois. Hein. Persona non grata, comme un falacha, violent comme sous rapta, premier arrachage, toujours pas vendu, rap à doracha. Comment il rentre, mon poteau, comment il rentre. Il monte sur le ring en mode énervé, il a les crocs, il a la dalle, il a envie de tout casser, vous avez capté ou pas? Et franchement, j'ai franchement. En vrai, voilà quoi, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur les épaules du game comme un Maraja, comme CR7, j'ai mes petits Morata. Regarde noir, le cœur blanc comme une burrata. Le temps remet les rois sur leur trône, au calme, les clowns regagnent leur cirque de Zavata. T'es une bombe basse, pas les couilles, je vais me première dame. J'ai dû couper des ponts longs. Non, les gars, y'a rien à dire. Le son, il est mortel, les gars. Il est énervé, le son. La prod, elle est là. Ah, franchement, non. Cet album-là, les gars, je vends pas l'album, les gars. Vous faites ce que vous voulez, les gars. Moi, je le vends pas, mais... je vous dis, vous allez rien regretter. Hey, il coûtait 13 balles, frérot. Il coûte 12,99, frère. T'en as pour ton argent. En plus, ça. En plus, moi, pour moi, il est généreux. Pourquoi dans le délire? C'est un double album, déjà, pour commencer. T'as 26 morceaux dedans. Tu peux faire ce que tu veux avec, mon ref. T'inquiète ou pas. Il y en a pour toutes sortes d'ambiance. Ça dépend comment t'es posé, comment t'es... tu vois ce que je veux dire? Il y en a quand t'es énervé, il y en a quand t'es joyeux, il y en a quand t'as envie de ken, il y en a quand t'as envie... voilà, t'as capté ou quoi? Ah frérot... comme Manhattan, gère l'étal, où t'en perds ta santé mentale. Végétal, j'en fais pousser comme végétal. Digital, mes empreintes sont juste de chétan. Je traîne ma vie comme une caravane sans gitane. Toute l'année sans schlag, moi jet lag. Non... il y a quand même quelque chose en vrai, hein. Il y a quand même quelque chose. Hein. Ah, je sais pas quoi dire les mecs, je sais pas quoi dire, c'est pas pour vendre. Mais en vrai, je sais pas quoi dire. Parce que le clip il est propre, le son il est énervé. Le montage il est énervé. Laisse tomber frère. Le clip il est en feu frère. Je traverse océan comme je traverse une flaque. Charbonneur sur mes jambes, greffé un goulag. Boué côté comme un coron à Copenhague. J'ai la niaque, tu sens fort comme de l'ammoniac. Les démoniaques maigrissent sous le régime. J'espère que la vidéo elle va pas sauter aussi, hein, parce que ça aussi c'est important les gars. Eh ouais, c'est pour ça que je coupe tous les 2 secondes, bah 2 secondes. Mais il y a moyen à ce que voilà, tu vois. Mais je vais essayer de gratter un peu, parce qu'il faut pas que la vidéo saute. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez vous? Et mettez-moi en commentaire les gars s'il vous plaît, le son que vous avez préféré dans ce putain d'album. C'est quoi votre morceau préféré? Vous avez capté ou pas? Parce que franchement, non, l'album, pour moi, je suis pas déçu en tout cas. Personnellement, non. Dans mon arc.
Le musée des Komori. Komori. Je prends le contrôle de Paris. Paris. Sur Insta, ils ont une story. Story. On ne célèbre plus nos victories. Story. Grand monsieur. Grand monsieur. T'es caché, moi, c'est prétentieux. Grand monsieur. Grand monsieur. Non, frérot, il arrive en mode. En tout cas, moi, en tout cas, le morceau que j'ai kiffé, j'ai kiffé tous les morceaux, mais mon préféré pour le moment, déjà il y a. Alors, je vais pas vous mentir. Il y en a tellement. Déjà, Valeur renversée, déjà, Poto, celui-là, c'est obligé qu'il soit dans le truc. T'as capté ou pas? Parce que là, il est en train de dénoncer, il est en train de tout dire, en fait, tout ce qu'il a, il est en train. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il machin et tout, il est en train de dégager ça, tu vois. Après, moi, il y a la 7 aussi. La 7, je kiffe de ouf. En fait, alors, numéro 1, JM10. Classiquement, il est énervé. Légende avec Jules aussi. Trop d'histoire, je kiffe. Hall of Fame, ça aussi, j'ai kiffé. Chacun son heure. Apaise ton cœur, ça, je l'ai kiffé. Fake Love. Je suis un peu mitigé, mais je kiffe aussi, tu vois. Official, franchement. En fait, j'ai tout kiffé. Mais j'ai quand même des préférences, en fait, dans le délire. Genre la 13 aussi, genre Comorel. Ça, c'est obligé. Déjà, c'est pour la madre. C'est très important. Et aussi pour les Comores. Aïe, aïe. Après, Génération RH2F, j'ai kiffé. Morty aussi. Flemme, ah ouais, flemme, on croit comment il a posé le stop, frérot. Il a vraiment la flemme. Il dit machin et tout, flemme, mais il avait pas la flemme de le poser parce qu'il est tellement vénère le morceau. Laisse tomber. Grand monsieur, quel respect le plus précieux. J'ai fabriqué des hommes comme usine dans mon conque. Comme sous les mains, donc mes KO avant le conque. Ils sont prétendent king, je ne vois pas le conque. Manque les masques de. Dans ta face, mon poteau. Big up à Guadaza et Roi. Ah ouais, non, lui aussi, c'est un bon poteau. C'est lui, je crois, c'est lui qui a commencé les pas dans ta face. Aïe, aïe, aïe. Du coup, West West. Jusqu'à maintenant, je sais pas ça veut dire quoi, West West. Mais ça aussi, il est énervé le morceau. Moi, j'ai kiffé personnellement. Ça bouge pas. Sécurisé, tout le monde l'a saigné, tu vois. Ah ouais, pour Easy du Easy, ça, faut pas oublier ça. Aïe, aïe, aïe. Eh oh, mon pélo, ça, faut pas. Ah, le bilan, il est vénère de ouf. Mandat dépôt. En fait, j'ai tout kiffé. Mais en fait, en gros, je suis en train de vous expliquer, genre, les morceaux. Vraiment, les morceaux. Déjà, tu vois, déjà, Valeur inversée, ça, on peut pas l'écarter. Vous avez capté ou pas? Ça, il faut le garder. GM10, ça, il faut le garder. Ça, c'est un truc. Gros, il est là. Un peu stalker, il est là. Et poteau, j'ai tellement des morceaux. J'ai tellement des sons, frérot, dans moi. Non. Franchement, de toute façon. J'ai kiffé l'album, moi. Dans tous les cas, j'ai kiffé l'album, tu vois. Tu sais ça tous les jours, laisse tomber. De toute façon, en fait, c'est genre de délire, c'est genre d'album. Il y a des morceaux que tu n'as pas compris tout de suite, tu vois. Tu n'as pas compris tout de suite. Mais au fur et à mesure, tu le réécoutes. Et tu dis, ah ouais, en fait, ah ouais, quand même. Je suis passé à côté, tu vois. Et c'est là que tu te remets en question. Tu dis, ah ouais, non, franchement, non. Je pense que l'album, franchement, moi personnellement, combien je lui donne moi l'album? Sans être un. Comment? Franchement, sur 20. Moi, sur 20, l'album, je lui mets un 18. Hein. La vérité, je lui mets un 18. J'aurais pu mettre 20, tu vois. Je peux mettre 20. Mais après, tu connais les gens, ils vont te dire, ouais, nanana, tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, le 20, déjà, un 18, déjà, c'est énorme, tu vois. Franchement, c'est kiffant. Moi, j'ai kiffé l'album. Après, je sais pas combien vous notez l'album? Allez, mettez ça en com. Combien? Con, en short et en tombe. Garde ta force, j'en ai pour tout un peuple. Garde tes bangers, j'en ai fermé des clubs. Actuel, à l'ancienne, je mixe tout, j'ai mes plugs. Ah, ce que j'ai vu, il y avait combien de grands messieurs là-dedans là? Parce que j'ai vu, il y avait Ametila, il y avait Gims, je crois qu'il y a Dadju aussi. Il y a aussi, je crois qu'il y a des influenceurs, non? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Qui veut rivaliser, aille faire du stand-up. J'écris des testaments, ils sont contents, je l'octobre. Je suis dans le cœur des quartiers, rien à foutre d'être dans le top. Oh là là là, il a écrit des testaments. Rien à foutre d'être dans le top, machin, tout des trucs comme ça. Non, frérot, je sais pas quoi dire en vrai. C'est juste pour faire durer un peu le son, tu vois, genre ma vidéo. Mais il n'y a rien à dire. Parce que le clip, il est propre, le son, il est énervé. Comment le montage, il est. Laisse tomber, il est vénère de ouf.
Les scènes, elles sont incroyables, les scènes. C'est tombé, frérot, je sais pas quoi dire, gros. Ah! Je suis cramé partout, même quand je quitte le pays. Plus besoin de sortir le Glock, c'est mon auto-pays. Ok, tu es streamer ou l'angoisse CDI, je mets les points. Combien vous donnez sur. Alors, sur 10, le clip, combien vous donnez? Ça aussi, soit sur 10, soit sur 20. C'est comme vous voulez, les gars. Mais moi, le clip, il est vénère de ouf. Le morceau, moi le morceau, le son, je les mets à 20 sur 20. Le clip, je les mets à. Je pense que c'est le clip, je les mets à 17. Ah, même le clip, je peux mettre en avant aussi, parce que franchement, il y a tout qui prend. Les scènes, il y a tout dedans. Donc, je sais pas vous combien. Sur ta gueule avant de les mettre sur les i. J'atterris dans le game comme un astéroïde. Les trimards ne bandent plus, c'est un astéroïde. Le musée fait comme Mori. Je prends le contrôle de De Paris. Paris, Paris. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Dans ta face, c'était ton gars Big Daddy, aka, voilà. Tu as compris, on est ensemble. Vas-y. Peace and love. Ciao. Prenez soin de vous, les gars. Restez connectés, les gars. Il y a une vidéo là qui va sortir. La partie 2 de Grand Monsieur, c'est l'analyse. Normalement, si je mens pas, je crois que la vidéo sort le 15. T'as capté? Dans 2 jours, frère. On est le 13. Dans 2 jours, la vidéo sort. Allez, vas-y, bye. Y'a que sur Insta qu'ils ont une story. On ne célèbre plus nos victories.